À 17 ans seulement, le défenseur Olivier Boutin entame sa deuxième saison chez les Olympiques de Gatineau avec une expérience en banque et de plus grandes responsabilités. Celui qui a amassé 4 buts et 5 passes et participé à presque tous les matchs de son équipe en tant que défenseur recrue l'an dernier s'apprête déjà à montrer l'exemple aux plus jeunes qui évoluent à sa position. Parmi eux, le tout premier choix du dernier repêchage de la LHJMQ, Tristan Luneau. C'est sûr que cette année, à ma deuxième année, faut que je prenne mon expérience de l'année passée puis je l'amène à ma deuxième année. On est une jeune équipe encore à défense, fait justement, c'est à mon tour de prendre les plus grands rôles. Je remets dans les buts à Olivier Boutin. Boutin se déplace bien le long de la rampe, remet un peu du filet à Zach Harry-Dean, un autre choix de première ronde des Olympiques. Sur la ligne 2, un tir de Hawk qui se rend au gardien. Le retour, c'est Boutin qui est appuyé à l'attaque et qui réussit à marquer le premier but de cette rencontre. Même si le nom du défenseur ne figure pas pour l'instant sur la liste préliminaire de la centrale de recrutement de la LNH, le potentiel de l'ancien choix de premier tour des Olympiques de Gatineau est intéressant et cette année risque d'être charnière pour son développement. C'est de la maturité. C'est un jeune homme de 17 ans qui a eu du succès l'an passé, à un très jeune âge, qui a été mis dans des situations. Je suis seulement le gars qui parle le plus, mais je fais les bonnes affaires, j'ai une bonne éthique de travail. Puis là, j'apprends juste à parler plus, puis à aller voir les plus jeunes, aller les soutenir, les appuyer. Son différentiel de moins 2 était le meilleur des défenseurs réguliers de son équipe l'an dernier. C'est sans doute l'une des raisons pourquoi son utilisation est à la hausse cette année et son entraîneur en témoigne. Olivier Boutin fait tout de bien, puis c'est la simplicité, puis c'est là-dedans qu'il faut qu'il reste. On l'a adressé la semaine passée avec lui, mais ce que j'aime, c'est que c'est tellement une bonne personne. C'est un petit gars qui a à cœur l'organisation, qui est là pour les bonnes raisons.